Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir à nouveau Éric Léauté. Bonjour Philippe. Comment vas-tu ? Impeccable. Quand je suis là, tout va bien. Bon, très bien. Aujourd'hui, je crois que tu vas nous proposer une recette à base de poisson. Oui. Qui sera idéale après les excès des fêtes de fin d'année. Oui, exactement. Tout en continuant à se faire plaisir. Toujours très important. Et surtout, avec un produit de saison. D'accord ? Donc la Saint-Jacques. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, hein, qui est très goûteux. Et on va le travailler sous forme de farce. D'accord. On va laisser le produit un peu entier, on verra à l'intérieur, mais on va réaliser une farce de poisson. J'ai un CAP en poche où j'ai fait 2 années, une semaine chez l'employeur, une semaine à l'école. Et après ce CAP obtenu, je suis parti avec mon bâton de compagnon et j'ai parcouru différents établissements en France et également à l'étranger. Une expérience à l'étranger qui était très très enrichissante. Et j'ai intégré une société de traiteurs, Le Nôtre, où là je suis devenu professeur de cuisine. Suite à ça, j'ai pris un restaurant à Disneyland Paris et là pendant 6 ans où j'ai apporté un peu de savoir-faire français et de technique et de goût. Voilà, à la cuisine de Disneyland Paris. Et ensuite, j'ai monté une société où là, je fais de la formation, du conseil. Mais j'ai également réalisé un certain nombre de livres qui m'ont amené à faire des émissions culinaires. Et je suis sur le point d'ouvrir un restaurant et d'un atelier qui sera mon lieu. Et depuis le temps, j'attendais ce moment. Il va arriver incessamment sous peu. Vous allez voir, la technique est très simple, mais il faut respecter, comme toutes les recettes, certaines grandes lignes. Premièrement, le choix du produit de première qualité, hein, ça c'est important. On va le laisser naturel, on va juste en prélever quelques noix que l'on va découper tout à l'heure en morceaux pour les retrouver dans notre farce. D'accord. Alors le principe d'une farce, c'est simple, c'est que l'on va hacher le poisson, d'accord, hacher finement, au robot, mm-hmm, ou à hachoir dans un premier temps, puis après au robot. Alors, il faut que cette action soit assez rapide, parce qu'on le sait très bien, tous ces robots ont tendance à tourner assez rapidement et réchauffer. Donc, on va faire en sorte de le mettre directement à l'intérieur, sans manipulation. Tu ne travailles que la noix, hein. Alors, le corail, tu ne l'utilises pas. Non, j'utilise... Alors, si je devais travailler le corail, je le travaillerais à part, car les textures sont complètement différentes. D'accord. Donc, on met les noix, dans un premier temps, à l'intérieur de notre robot, et on va mettre le sel en même temps. Donc de la fleur de sel, très important, voilà, juste du sel, et on va pouvoir faire tourner rapidement. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on va hacher la chair et le sel a pour action de resserrer toute l'albumine du poisson. D'accord. Très important. Donc là, le sel, surtout pas de blanc d'œuf. Moi, je déconseille de mettre du blanc d'œuf parce qu'il y en a suffisamment naturellement dans le poisson, que ce soit des filets de merlan, des filets de caillot. C'est la protéine, en fait, du exactement poisson qui est suffisante. Et donc là, ça va resserrer le protéine des albumines et on va avoir une farce qui se tiendra très bien et qui sera surtout plus digeste. D'accord. On y va. On s'aperçoit qu'en faisant tourner avec le sel, au début on a une farce qui est un peu, on va dire, souple, et l'action du sel va resserrer les chairs et on va arrêter quand on aura une boule à l'intérieur de notre robot. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est d'utiliser la fonction pulse ou para-coup pour avoir quelque chose. Et donc là, ne serait-ce que l'action d'appuyer, regarde Philippe, tu vois ? Comment ça s'est resserré ? C'est ferme. Hein, c'est ferme, mmh. Voilà, ça c'est le sel. À partir de ce moment-là, on va pouvoir y incorporer de la crème liquide. D'accord. D'accord ? De la crème fraîche liquide. Alors, on va mettre à peu près, si on a 100 grammes de poisson, on va mettre 80 grammes de crème. D'accord. C'est presque le même poids. Presque moitié. Voilà, le même un poids. Un petit peu moins quand même, d'accord. Et on la met très fraîche et on va faire tourner en une, deux fois en fonction des quantités. Voilà, on fait tourner une à deux fois en fonction des quantités. D'accord. Encore un peu, voilà. Ce qui permet d'avoir des farces très souples et surtout très goûteuses. Ah,
Alors, une fois qu'on a incorporé une première partie de la crème, moi, ce que je conseille, en fonction de la masse, c'est d'extraire cette préparation et de la mettre dans un bol pour la travailler avec des glaçons dessous. D'accord. Ce qui permet d'avoir quelque chose de bien froid. Voilà. Donc ça, retenez bien, préparation très simple et identique pour toutes les farces de poisson. C'est ce qu'on appelle une mousseline de poisson. Exactement. On a dit farce tout à l'heure. Le vrai terme, c'est mousseline. Donc là. Ce que sera la texture, un petit peu comme une mousse. À l'intérieur de notre bol et on va la travailler. Voilà. À la spatule sur des glaçons pour garder cette fermeté et pour éviter qu'elle ne réchauffe. Parfait. Donc, ce que l'on va faire, bien la travailler, on va continuer à l'assouplir un peu avec de la crème si nécessaire. Après, c'est en fonction de la texture que l'on souhaite. Plus elle sera souple, plus elle sera délicate à la dégustation. Voilà, impeccable. Alors, on va y ajouter dans cette farce, d'un côté du safran pour avoir une farce un peu plus colorée et de l'autre, des épinards. D'accord. Donc, on aura deux couleurs. Exactement. Alors, après, on peut faire trois couleurs, oui, mais quatre couleurs en fonction. On peut faire les couleurs comme on le souhaite. Avant de faire cuire, là, je vais mettre un sautoir à chauffer avec un tout petit peu d'huile. Voilà, juste toujours un peu de matière d'huile d'olive. Très peu d'huile d'olive. On va mettre à chauffer et on va mettre à l'intérieur et on va faire tomber ce qu'on appelle les épinards. Alors, épinards, feuilles d'épinards bien lavées. Ce que je fais, c'est que je vais la prendre dans ma main gauche, la feuille, je la retourne, je mets la côte à l'extérieur et là, avec ma main droite, voilà, je vais tout simplement retirer la veine principale en faisant cette action. Il faut garder que la feuille. On garde que la feuille, vous voyez ? Donc bien pressé comme ça, voilà. C'est un geste très simple. Voilà, impeccable. Voilà Philippe, une fois qu'on a mis les épinards, ça fait un gros volume. On fait en sorte de les tomber, c'est ce qu'on appelle tomber. On s'aperçoit que voilà, ça a énormément réduit. En revanche, une chose très importante quand vous allez assaisonner cette préparation, attendez que les épinards se soient affaissés, parce que le volume est trompeur. Et si on met le sel au démarrage, on risquerait d'avoir une préparation trop salée. Donc là, on va récupérer le robot et même s'il y a la farce, au contraire, hein, c'est bien parce qu'on va pouvoir mixer nos épinards à chaud. Je vais les mettre là en attendant. Voilà. On va mixer les épinards à chaud pour pouvoir les incorporer à notre préparation. Voilà. Merci. Parfait. Voilà. Alors, on va faire en sorte de répartir nos deux préparations. Donc il y en aura une où on va mettre un peu de safran à l'intérieur et l'autre avec les épinards. Alors, j'avais gardé des Saint-Jacques tout à l'heure. C'est pour les découper. Alors, on va les découper. Alors, grossièrement, en 6. Pour retrouver les morceaux à l'intérieur. Oui, j'aime bien quand il y a de la mâche. De la lariole, d'accord. Même si c'est du thon sur thon, au contraire, ça peut être assez joli quand on va découper ça et surtout à la dégustation. Et là, on peut mettre quelques pistils de safran à l'intérieur, vraiment très peu, 2-3 si on est sur un safran de très grande qualité. D'accord, faire attention de ne pas trop en mettre parce que ça va beaucoup parfumer. Et donc, on va laisser un peu mariner. Ce qu'on peut faire également sur le safran, c'est le mettre dans de la crème la veille pour le faire diffuser. On aura quelque chose d'un peu plus... D'accord. Dans la crème qu'on a utilisée pour faire la mousseline. Exactement. C'est important de le faire la veille parce qu'il faut que la crème soit vraiment froide. Oui. Donc, on fait infuser, on fait refroidir au frigo. Et ainsi, elle sera idéale. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. On va mettre un peu de poivre à l'intérieur de cette préparation parce que pour l'instant on n'a mis que du sel, après on peut assaisonner comme on veut, hein. C'est pareil, il faut faire attention d'assaisonner en fonction de votre goût. Vous pouvez mettre des épices aussi, du curry, ça pourrait être très bien aussi, du curcuma, on peut faire aussi une farce avec le curcuma. Tous les goûts peuvent être imaginés selon l'envie de chacun. Allez, juste un tout petit peu de crème pour finir. Voilà. On va avoir des pistils de safran là aussi. Et il n'y a plus qu'à mettre cette préparation
au réfrigérateur et on va pouvoir s'occuper juste après des légumes. Tout à fait. Donc Eric, nos deux farces sont au frigo. Elles patientent là-bas tranquillement. Donc maintenant, on va faire nos légumes. Exactement. Donc la garniture, Philippe. Donc garniture très simple. On va utiliser des carottes, un peu de haricots verts, de la girolle qui va nous servir à un accompagnement. Et donc, on va les préparer, les blanchir. Alors, on les a coupés en bâtonnets. Alors, simplement. Pour cela, on a utilisé la mandoline mille proposée par la société Matfer, qui nous permet facilement d'émincer les légumes. Alors, ce qu'il faut, c'est déjà laver les légumes, les éplucher. Donc, on va éplucher correctement. Et ensuite, on les passe à la mandoline afin d'avoir des belles tranches pour pouvoir après les couper. Voilà. Dans un premier temps, on fait des tranches de l'épaisseur qu'on veut avec une molette qu'on peut régler sous la mandoline. Et après, on va finir au couteau pour faire nos bâtonnets. Donc, Eric, nous allons chemiser ce moule d'ariole avec les bâtonnets de carottes. De façon à pouvoir les tailler en bâtonnets, il faut prendre donc la mesure. On peut le voir ici, ils font exactement la hauteur du moule. Oui, exactement. Donc, ça, c'est bien. Sinon, après, même si c'est un tout petit peu plus long, c'est pas très grave parce qu'on pourra, on verra, d'accord, éventuellement rectifier. Donc, on peut tailler, tronçonner la carotte dans un premier temps à la longueur voulue. Voilà, à peu près, c'est bien. Si elle est un peu plus longue, c'est pas grave. Et avec la mandoline, donc, on va faire des tranches. Donc attention aux doigts, ça pardonne pas. Sinon, il y a également le bouclier qui permet d'émincer le légume facilement sans se blesser. Et ensuite, comme le fait Eric, on termine le bâtonnet au couteau en faisant donc un bâtonnet régulier. Et on obtient nos petits bâtonnets de carottes. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, bon, les haricots verts, pas besoin de la mandoline, tout va bien, ils non. sont de la bonne taille. C'est on va les cuire d'abord, je pense, voilà, et alors, on les taillera après. Exactement. Alors pour la cuisson de nos légumes, une fois qu'ils sont bien taillés, on va mettre de l'eau à bouillir, du gros sel à l'intérieur, toujours, ça s'appelle blanchir un légume à l'anglaise, et on va mettre beaucoup de gros sel. Donc pour un litre d'eau, en général, on compte 30 grammes de gros sel pour avoir un légume bien vert. C'est ce qui s'appelle fixer la chlorophylle, c'est surtout valable pour les légumes verts. Donc on fait bouillir l'eau. Dès qu'elle bout, on plonge nos haricots verts. On va les faire cuire al dente. Ils vont cuire avec la farce au four également, donc pas trop. Oui, si, parce que le légume vert ne va pas recuire au four. Donc il faut qu'il soit cuit. D'accord. Il va pas recuire. Comme ce sont des fibres, il faut faire attention. Donc bien les cuire là, et après on va les mettre et surtout qu'ils deviennent bien verts. Et une fois qu'ils sont cuits, on les égoutte et on va voir ça après. Concernant les champignons, ce qu'on fait, c'est que sur ces champignons girolles comme ça, on coupe juste la pointe du pied et on va très rapidement les rincer. D'accord ? Donc nos légumes, carottes et haricots verts sont en train de cuire. Là, on va juste couper ça et on va les faire poêler. Alors, le principe d'un champignon, ce qu'il faut, c'est très peu les laver pour éviter qu'ils se gorgent d'eau. On va surtout qu'ils ne sont pas très sableux, il faut que l'action soit très rapide. Donc, une fois qu'ils ont été mis dans l'eau, on va prendre nos mains, on va les brasser très rapidement dans une eau froide propre. On fait en sorte de retenir, on ne les laisse pas traîner. On soulève délicatement pour laisser le sable éventuellement et on va les déposer immédiatement dans la poêle chaude. Voilà, ça c'est important. On va les laisser quelques minutes. On assaisonne de sel, de poivre. On peut mettre un peu d'huile d'olive et on va pouvoir les utiliser comme garniture. D'accord. Bien, maintenant nous allons chemiser nos darioles avec nos légumes. La finition. Donc, nous avons égoutté nos carottes qui étaient cuites un petit peu croquantes quand même. Al dente, c'est meilleur. Hein. Pareil pour les haricots verts. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, on va les tailler maintenant. Donc on voit qu'on a des haricots verts de différentes tailles, qu'on a bien alignés. Et la procédure, bon, on les aligne. On fait une coupe nette d'un côté, avec le moins de pertes possible. On prend un bâtonnet de carottes comme repère. Et on les coupe à la longueur. Parfait. Et voilà. Et avec nos bâtonnets donc, d'haricots verts, on pourra chemiser facilement nos moules. Alors ce qu'on peut faire, parce que j'aime bien aussi utiliser les restes,
voyez, on va pouvoir récupérer les morceaux de haricots verts qui restent, même s'il y a des petits morceaux de carottes qui resteront, ou il restera forcément des carottes à la fin de la préparation. On peut les couper aussi en dés, hein, ce qu'on appelle en brunoise, comme ça, et puis on va les mettre dans notre préparation. Ça pourrait être voilà, ça peut on va s'en servir pour une autre présentation éventuellement aussi. Oui, ou on peut aussi monter différemment. Alors, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est déposer au fond du moule cette préparation qui sera jolie au démoulage. D'accord. Et on met ça là. Et là, on va pouvoir disposer. Alors, ce qu'on peut faire également, donc là, dans la poche, on a déjà mis la farce blanche. On va faire la même chose avec la farce verte. Alors, dans ta poche à douille, tu as utilisé une douille à verrine qui permet de remplir proprement les contenants assez hauts et étroits. Exactement, et ça permet d'aller au fond de la verrine ou au fond du moule. Donc moi, ce que je conseille, c'est de bien tapisser. Je vais tapiner. Et on va faire une première couche. Pourquoi je fais ça? Ça va faciliter après l'adhérence de mes légumes tout autour. Donc là, on va les disposer comme ça. Alors, l'avantage de ces moules exoglaces, c'est qu'on n'a pas besoin de les beurrer. D'accord? On va avoir quelque chose qui va se démouler très facilement. Alors, ce qu'il faut quand vous faites ce montage, c'est mettre les légumes, voyez, bien droits. Alors, on fait en sorte de mettre les couleurs. On pourrait mettre du céleri aussi, ça peut être sympa. On peut mettre différentes préparations, du navet aussi. Hein, on peut jouer avec les couleurs. De la betterave, mais il faudrait la blanchir avant. Après, vous pouvez faire plaisir, hein. C'est vraiment assez c'est simple ce qu'on à faire. Également en cuisine, une chartreuse. Oui, c'est vraiment une préparation assez ancienne. Mais c'est vrai que ça peut être original, c'est sympathique, on peut le préparer à l'avance. Et donc, une fois qu'on a disposé tous nos légumes autour, on va continuer à faire le montage avec les autres farces. Avec dans la farce verte. Exactement. Et ainsi de suite. Alors pour réaliser la recette et les points surtout les plus importants concernant la dariole de Saint-Jacques, la première des choses, c'est de réaliser une très bonne farce. Pour faire la farce, vous prenez un produit de première qualité, notamment la Saint-Jacques, que vous allez bien essuyer, que vous allez mixer rapidement avec du sel. Cette action a pour but de resserrer les chairs et l'albumine du poisson pour pouvoir y incorporer après de la crème. Alors surtout, dans cette préparation, j'ai pris soin de ne pas mettre de blanc d'œuf pour éviter d'avoir quelque chose qui soit lourd et beaucoup moins digeste. Même si ça dépasse un peu, alors on appuie, c'est pas gênant. Et au contraire, on va voir après à la fin du montage. Donc bien taper pour retirer éventuellement l'air qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et je vais faire, pardon, finir. Oui, en plus. Donc les dés de Saint-Jacques, les épinards, on peut faire aussi avec du cresson en saison, hein, comme ça, on peut faire plein de choses, les variantes sont variées, on peut faire avec des herbes aussi. Tous les légumes, il faut que ce soit coloré, oui, pour que ce soit joli. On pourrait le faire avec de la tomate aussi, faire attention quand on incorpore un élément dans une farce, il faut qu'il soit un peu plus sec. Hein. Oh, j'ai pas mis la Voilà, bah ça sera, il y aura une avec douille et une sans douille, c'est pas grave. On peut faire sans douille également. Évidemment, ça fonctionne bien aussi. Donc là, on va mettre, alors on tapote bien pour être sûr d'être bien plat, et on va mettre un peu de farce verte. Alors ce qui est important quand on utilise cette douille, c'est vraiment sur des choses assez hautes. Vous voyez, ou des contenants étroits. Voilà, parce que quand on arrive à la fin, voilà. Alors ça permet d'être aussi assez précis parce que ça évite des bavures, ça évite des bavures surtout. Donc là, quand il faut que ce soit net et bien propre. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un couteau, on va affiner. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le tranchant du couteau, on va couper comme ça. Et regardez, le fait de faire ça, vous avez une tranche nette
et précise. Voilà, au niveau des légumes. On va, pour éviter que ça sèche, lisser la surface. Si vous voulez les conserver au réfrigérateur avant de les cuire, vous allez filmer la surface de votre préparation pour pas qu'elle ne sèche. Et on va mettre ça au four. Alors la cuisson de cette préparation, dans ces moules et glaçons, 140 degrés pendant à peu près 15 à 20 minutes. D'accord. Il faut juste coaguler le poisson. Alors, comme on est sur un comme produit ça même assez... ou au bain-marie ? On peut le laisser comme ça, dans un four à basse température, c'est bien, 140 degrés, à peu près 15 minutes, et on aura un produit qui sera bien, bien beau et surtout bien cuit, pas bien. Trop cuit. Donc Eric, nos darioles sont cuites. Alors nous allons un petit peu revoir comment s'est passée la cuisson. Donc, comme on peut le voir, tu as filmé tes darioles. Alors oui, j'aime bien toujours filmer, surtout sur des températures basses de four, ça me permet d'avoir un produit qui ne dessèche pas et qui garde tout son moelleux. Donc là, la cuisson, 145-150 degrés, donc four bas. On peut encore baisser le four, mais on augmentera le temps de cuisson. D'accord. On compte 10 à 15 minutes de cuisson hein, pour ce genre de préparation. Je rappelle, il n'y a pas de blanc d'œuf dedans, c'est juste de la Saint-Jacques, donc ça cuit très très vite. Hein, et donc, si on veut être sûr qu'elle soit bien cuite, il faut mieux qu'elle soit sous-cuite que trop cuite, parce que sinon il va y avoir une déperdition de la matière. On peut les sonder. D'accord. Voilà. À cœur. Alors, ce qu'on appelle à cœur, c'est-à-dire que c'est qu'on plante l'aiguille au centre du produit et on doit avoir une température entre 40-45 degrés pour la Saint-Jacques pour voir si elles sont bien cuites. Donc ça, c'est l'idéal. Ce qu'il faut faire aussi, comme tout produit, c'est de bien les laisser reposer. C'est-à-dire que quand c'est cuit, on les laisse là et on va pouvoir les démouler facilement. Ce qui va nous permettre de finir la préparation, la garniture et la sauce. La petite sauce, d'accord. Concernant la garniture, on avait fait sauter les girolles après les avoir lavées. Un peu d'assaisonnement. On peut le voir ici, il n'y a presque plus de matière grasse. On va finir pour le goût avec un peu de ciboulette. Donc là, vous prenez de la ciboulette fraîche. On prend cette partie-là, un couteau à talon. Et on va ciseler au dernier moment la ciboulette pour qu'elle soit meilleur. On prend bien ses doigts en crabe comme ça, c'est très important, le pouce derrière qui pousse et le majeur qui est devant pour éviter de se couper. D'accord ? Et là, la pointe du couteau reste bien sur la planche et c'est parti. Et le couteau est toujours au contact du majeur, comme ça, je risque pas de me couper. D'accord ? Et là, c'est parti et vous avez un geste simple. Et là, vous pouvez acheter plein de ciboulettes à la maison. Vous allez voir, vous entraînez, c'est un vrai jeu d'enfant. Voilà, donc bien ciseler finement. Et une seule fois, j'insiste, une seule fois, pourquoi ? Parce que regardez votre planche, elle est propre et elle n'est pas verte. Souvent, si vous hachez les herbes plusieurs fois, la planche va devenir verte et vous aurez écrasé toute la chlorophylle. Et ça donne un mauvais goût. Je prends ma ciboulette finement ciselée que je mets au dernier moment dans les girolles. Je laisse ça de côté. Concernant la sauce, c'est un beurre blanc. Alors, beurre blanc, c'est quoi ? C'est le principe, c'est des échalotes coupées finement, hein, ciselées, cuites comme ça dans un peu de vinaigre et de vin blanc, réduit quasiment à sec. On frotte un peu, on rajoute un petit peu de liquide s'il faut, et moi ce que je vous conseille, c'est de mettre une cuillère de crème au dernier moment. On donne une ébullition pour avoir une texture. On a du beurre bien froid, coupé en morceaux, et que l'on va monter dans notre préparation bouillante. Quand vous faites un beurre blanc, toujours faire bouillir pour émulsionner le beurre. Et maintenir l'ébullition jusqu'au bout. Et maintenir l'ébullition, et après on coupe évidemment, parce qu'on ne va pas prendre un café avec son copain, parce que sinon ça risque de trancher. Voilà, on fait juste mélanger comme ça, et on va pouvoir finir notre sauce. Nous en sommes arrivés au moment du dressage. Alors, donc, attention, roulement de tambour. On a fait deux présentations. Bon, la première avec les bâtonnets. Attention, est-ce que ça va ? Voilà. Voilà. Impeccable. Donc on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de farce sur les côtés. La farce à l'intérieur a fait que notre dariole a bien adhéré. Donc on la laisse reposer. On la prend délicatement. On peut la déposer ici sur l'assiette. Là, quelques champignons en girolles. Alors ce qui est très important, hein, Philippe, c'est la couleur, parce que on a parlé d'un plat après les fêtes, mais il faut que ça reste festif. Bien sûr. Hein, c'est de beaux produits de qualité. Donc on fait en sorte
de mettre de la couleur parce que ça donne envie de le manger. Et on va finir avec le beurre. Si le produit le permet de le garder entier, on puisse voir ce que c'est, ce qu'on mange. Oui, moi j'aime. Parce que si c'était coupé en tout petits morceaux, ça ressemblerait voilà. Pas à grand chose. Un petit peu de beurre blanc. Mais on pourrait aussi servir cette préparation sous forme de terrine aussi, couper des tranches. Hein, c'est, on l'a choisi en dariole, mais on peut le couper aussi sous forme de terrine. Ici, sur le dessus, on peut éventuellement voilà, faire un rappel et mettre un petit champignon. Alors le beurre blanc, ici, on a décidé de le laisser avec l'échalote. Voilà. C'est au choix. On peut le passer rapidement dans une petite passoire pour retirer l'échalote et garder uniquement la sauce. Autre présentation, où nous avons fait donc une brunoise de carottes qui a été mêlée légèrement avec de la mousseline de Saint-Jacques. De la Saint-Jacques, donc la même préparation que dans celle-ci. Et la préparation à l'épinard. Voilà, regardez ça. Ça, c'est la deuxième. Et alors, ce qui est intéressant, juste avant de déguster, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, délicatement, on va couper. Voilà. Et on peut s'apercevoir, regardez ça aussi, c'est très joli aussi comme ça, l'intérieur avec la farce aux épinards. On peut voir les morceaux de Saint-Jacques. Les morceaux de Saint-Jacques à l'intérieur. Voilà, vous n'êtes pas trompé sur la marchandise. Merci beaucoup Eric pour cette recette. J'espère qu'elle ravira nos internautes. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous et puis surtout, bonne cuisine et bonne dégustation. À bientôt. Thank you.